Bouches-du-Rhône, c'est un rêve de gosse. Moi, je me souviens être allé sur les pontons avec mon père, voir les fleurimichons. Et j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y participer beaucoup à ce rêve. J'y ai participé pour la première fois il y a 4 ans. Deux sillages se sont rencontrés avec une entreprise qui s'appelle Ucar et avec un chef d'entreprise qui s'appelle Jean-Claude Poitton. On a comme objectif de participer à la Route du Rhum et de la gagner. C'est vraiment la meilleure nouvelle qui nous soit arrivée ces 6 derniers mois. Je suis un skipper heureux, je vais faire la Route du Rhum sur une des meilleures machines du plateau. Il y a 23 concurrents dans la classe IMOCA, il y a 122 bateaux. Je vais participer à cette formidable aventure avec en plus la chance de pouvoir gagner dans ma catégorie. Donc oui, sur la route qui nous amène au Vendée Globe, en tout cas, voilà, je suis bien placé et je suis heureux. In this year's World Rugby Under 20 Championship, it's the Stade de la Méditerranée, the stage for an all-European decider. From 40 metres, Carbonell breaks the bagel for the home side. Bamba, the human cannonball, tries to work his way through that white line. Marty with the offload. Oh, Kapoka's there. Walkie thinks he's scored. Shane McDermott's going to be called into play once again. The fans on the far side, delirious. Award the try. Listen to this reaction now. Here we go. Look at this money ball from Maxi Marti. That is moolah. How does that affect the psyche of the halftime team talks? Be a bit different if there's another three now. And Carbonell makes it happen. Grayson with the kick pass. It's not going to happen for Hinckley. The ball is out. There's the whistle. There's the history. The host's first final, and it's a success. Vive la France as the under-20s take the 2018 World Rugby Under-20s Championship. It's amazing because we won the final against England. It's just a dream. It's a dream is come a reality and it's very, very difficult to believe in all this tournament and it's crazy. Yes, the championship final, it's got to be your play boss who's done well, it's just real performance today. But I don't know how many players are, as you say, they've played in front of 20,000 today. So when it comes to the seniors,
Pour moi, le French Flair, c'est l'exception française, ce qui n'est que français et qui respire la France dans tout ce qu'il y a de plus beau. Et surtout, cette rareté française, French Flair, on la voit nulle part ailleurs dans le monde. Les bronzés 3 Flair, parce que ça correspond vraiment à la France, alors à la fois avec les beaufs et aussi avec le sens de d'être ensemble et d'essayer de s'aimer, de faire copain et puis en même temps de ne pas se supporter, c'est très français. Si vous êtes dans le même état que moi, vous n'êtes pas là. C'est ça le problème, alors que moi je me dois d'être là. Alors, Edouard Baird, pas Flair, parce que il a refusé de tourner dans 10%. Alors que c'est vraiment plutôt sa cam. Et je me souviens que ses réflexions et ses raisons pour lesquelles il n'avait pas fait 10% étaient un peu incompréhensibles. Voilà, donc pas Flair. Oh, what's going on here? Alors, Eric Cantona, Flair pour la personnalité, pour ce qu'il a représenté, pas Flair pour le geste. Alexandre Desplat, ben Flair, parce que c'est quand même notre atout pour les Oscars. À chaque fois qu'il a un film, il a l'Oscar. Alors, et en plus, c'est un grand musicien et un homme délicieux. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Ah ben très Flair, parce que c'est un ami, c'est un Normand comme moi, et puis c'était vraiment un grand artiste, donc Flair, pas Flair lorsqu'il il manque de respect dans les paroles de ses chansons par rapport aux femmes. Là, il n'est absolument pas Flair. Calendrier des dieux du stade. Alors très très Flair, parce qu'il fallait quand même du culot pour faire ça. Quand même, on sait très bien que les sportifs sont un peu machos, peut-être un peu moins les rugbyman. Et franchement, chapeau à Max Guazzini, qui a quand même permis d'éclater les mentalités par rapport au vestiaire dans le rugby. Tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Mon ami Florent Pagny, que j'ai vraiment connu à ses débuts puisque j'ai beaucoup aidé, il n'est pas Flair quand il va vivre au Portugal pour payer moins d'impôts. Ça m'agace. Quand on gagne sa vie, on paye ses impôts dans le pays qui vous a fait vedette. We'll be right back.